Si tu kiffes le football et les gestes techniques, abonne-toi et surtout active la cloche. Yeah, yeah, yeah. C'est la Team S3. Et aujourd'hui, c'est le Yo la S3 Family, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez, avec Decathlon, nous avons créé la première paire de chaussures dédiées au street soccer. Quoi de mieux que des défis entre nous pour tester la paire? Et aujourd'hui la famille, on a mis un paquet. Et aujourd'hui on a mis le paquet dans les défis. Grâce à FAS, on a des chaussures gonflables incroyables. Regarde. Et à la fin de la vidéo, on fait gagner une paire dédicacée par Sehan. Et uniquement c'est Anne. Bon, en vrai, on va tous la signer la paire, vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, hein, The Striker is back, vous savez déjà comment ça va finir. C'est parti pour le Mother Fucking premier défi, les gars, let's go. Yo la mif, pour ce défi, c'est très simple. Il faut se rapprocher le plus près du centre de la cible. Le premier remportera 7 points, le dernier repartira avec un seul point. C'est parti, let's go. C'est parti pour le premier défi, let's go. Qui va commencer? Honneur aux dames. Ouais, super, excellent. Non, j'adore les aristochats ainsi que les noix de pécan. De toute façon, je vais gagner, je suis la meilleure, donc voilà. Oh, oh, oh my god. Deux points. Allez, je suis nul hein, dans ce genre de jeu, mais bon. On va essayer. Surprise, motherfucker. Africa. Allez les gars, je m'y colle, c'est à mon tour. J'espère que je vais mettre direct dans le rouge. C'est bon là, pour l'instant, je suis bien. Nope. Ils ont retiré, hein. Mais la balle, elle colle pas, c'est nope. Pas de ma faute. Allez, allez, ouais, nope. Ouais. Bravo. Cécito, c'est à toi. J'ai demandé ce que je vais dire à Kamara, il m'a dit tu dis ce que tu veux, donc ce que tu veux. Really, nigga. Bruh. Oh, dur. Oh là, oh là. Vos vieux ballons là. Ok, ok, it's your boy Traffy, the more fucking striker is back. I'm gonna put the ball on the red, in the middle. As always, vous connaissez mon job, let's go. Allez, Africa. Vous allez enlever tous vos ballons parce qu'ils servent à rien un peu là. Sergio Mané, mais c'est toi qui nous sauve à chaque fois. Arrête de dire Sergio Mané, c'est un bordel. Sadio. Ah. Sadio Mané. Oh. Tiens bon, ah, attends, tiens bon. Attention, elle y est ou pas? Elle y est, elle y est. À refaire sa balle à ma gêner. Bon, tu nous es qualifié. Hein. Tu nous qualifies encore. Je vais me qualifier. Voilà, tu montres à l'Europe que. Ah. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de parler pour rien. Africa, Africa. Hein? Bravo Amos. Sehan, va-t-il relever le défi, mesdames et messieurs? Est-ce que Sehan est capable? Je pense qu'il a une jambe incroyable, qu'il a pas fait exprès. Je vais juste viser son ballon et voilà, on verra. Pourquoi t'es contre moi? Espèce de jaloux. Allez, tu peux le faire. Ok. Je suis pas le dernier, c'est le plus important. Et le number one, il est là, monsieur number one. On peut l'applaudir. En mode d'être choqué. En mode d'être surpris. Donc il a 7 points, j'en ai 6, etc., etc. On mettra un classement, ne vous inquiétez pas. On est parti pour le bowling challenge. Vous avez le classement devant les yeux, arrête de me tirer les cheveux. On est là pour le deuxième challenge, donc bowling challenge comme vous le savez, calme-toi s'il te plaît. On va faire un tir chacun, si tu dégommes toutes les billes, toutes les quilles, tu gagnes plus de points, c'est ça? C'est ça, un classement comme le premier défi en fait, on va continuer le classement. Premier challenger, JMK. Et je vais leur montrer que, même si je suis... T'inquiète. Premier tir, JMK les gars. My god. Wesh, même le caméraman il est choqué, il a plus envie de filmer. Eh hey, écoutez hein, déjà de base je devais pas être là. Non, faut expliquer un truc. À tous les trucs précision, tout ça, il est trop claqué. Il est gentil hein, mais il est trop nul. Wesh. Non, en vrai de vrai, j'essaie de laisser la lumière aux enceintes de la S3. J'ai pas envie de venir tout rafler. Non, donc allez matin. C'est bon. Allez, ça fait plaisir. Un peu d'ambiance, s'il vous plaît, merci. Je suis mauvais de ouf. Ça fait plaisir. Super. Bon, je vois plusieurs quilles là. C'est normal. Ok, ok. Il faut tirer tout droit. Ok, il faut essayer de marquer. Boum. C'est ta quatrième. Oui. 3. Oh.
Faut nous leur montrer. Je rappelle encore une fois, je ne voulais pas être là. Je suis obligé de leur montrer. Non, rien. Là, je vais t'expliquer. De un, pour commencer, on m'a mis beaucoup de pression. De deux, lui, il est venu juste avant que je tire et il m'a dit « Ta maman n'est pas gentille si t'en fais tomber une. » Je veux que t'as gagné, alors. Moi, j'ai la pression. Je vais tirer à côté. Ben oui. C'est Ramadan. Les barrios, ce sont des chaussures pour dribbler. Voilà pourquoi. Donc, je peux mettre un petit pont à tout moment, quoi. Ok, la famille, le fait qu'ils ont loupé, mais carrément à côté, bah ça nous plus de pression parce que j'ai pas envie de faire comme eux. Donc c'est parti, let's go. C'est parti. Oui, à gauche. Bravo, bravo. Ah, répétez ce que vous m'avez dit à moi. J'ai dit quoi? Comment t'as fait pour ne pas toucher? Eh, hey, je rigolais. Je suis choqué. Mais moi, je suis choqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Of course, mesdames et messieurs, the motherfucking striker is back une fois de plus. Je vais devoir démontrer mes capacités technico-visionnales. De manière cinétique avec le ballon. Hein, on va faire tomber toute l'équipe, histoire de leur montrer que c'était évident et couru d'avance. Let's go. Évidemment. Hein, on ne déroge pas à la règle. Regardez, on ne déroge pas à la règle une fois de plus. Ils le savent. Non, je n'ai pas besoin de vous regarder, monsieur. Hein, nous regardons la vérité en face. Regardez la vérité. Elle est là, la vérité. Elle est à la caméra. Il ne manquait qu'une qui. Hein, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va dire que c'est le ramadan. Hein, je n'ai pas pu mettre 100% de mes capacités. Donc voilà, on va faire un demi-strike. Et voilà, on s'arrête là. Allez, ciao. Bon, allez, troisième challenge. Bon, les gars, j'ai l'air d'un teubé, mais je vous explique le troisième challenge. Là, on va tous être en mode bubble. Le but, c'est de toucher la balle. Et ensuite, les gens sont éliminés. Le gagnant reste sur table. Vous avez compris? Vous allez voir, vous allez comprendre. Ok, la famille, premier battle. Chrisito, vraiment, c'est un buff. Ça va être quelque chose de ouf parce que face à lui, il y a Sofiane Benkok. Et franchement, il est tout maigre. Crevette. Il est crevette. 3, 2, 1, let's go. Oh, il l'a buté. T'es mal, personne l'aide. Il est mort, il est bloqué, personne l'aide. Ok, deuxième battle. Pour l'instant, Chris, il mène de 1 point. Il a gagné une fois et franchement, je pense qu'il va tous nous plier. Face à lui, Sehan, champion du monde de freestyle. Duel de choc. La famille, ça fait 3, 2, 1, let's go. C'est une stratégie de Monsieur Moss. J'ai essayé, ça marchera pas. Ils ont aucune chance, alors saisissez-la. Merci. Oh, Trafi, il est chaud. 3, 2, 1, let's go. Oh, vas-y, va prendre la balle. Oh, Trafalgar, il l'a tué. Il s'est indigné, les gars. Ça va? J'ai pas pu voir ce qui s'est passé. C'est incroyable. J'ai fermé les yeux au moment de l'impact et j'ai plié. C'est tout. J'ai toujours tranquille. C'est mon seul commentaire. Oh, mais regarde, douce. Trafi, je sens qu'il est vraiment chaud. Je m'y attendais pas. Je pensais que Chris allait tout gagner. Là, il est face à JMK. Duel de titan, encore une fois. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Il se bat jusqu'au bout. Et Trafi a gagné. Attends, un petit mot avant. Photo. Vas-y, descends. Écoute, j'ai ma technique, elle est préparée. J'ai une tactique, elle est élaborée depuis des semaines et des semaines. Hey, je l'entends parler sur les réseaux. Je sais de quoi il parle. Tu l'entends? Moi, je sais ce que je vais faire. J'ai une tactique, elle est incroyable. Duel de titan, deux frérots. Là, je pense qu'il n'y a plus d'amitié. Là, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Il s'est auto-suicidé. J'ai tout essayé, là, il était trop fort. Non, franchement, attrape-lui, je te serre la pince. T'es trop fort, mec. Ok, dernier round. Melo a déclaré forfait. Donc, on se retrouve avec Andreas versus Trafi. C'est l'initiateur de ce challenge. Il a vraiment voulu.
le faire depuis tout à l'heure, il est chaud. On espère qu'il va se donner à fond. Andreas, on veut la peau de Trafi. Ok, Trafi est chaud, il est prêt à en découdre. Tout le monde est chaud, tout le monde observe. Attention, 3, 2, 1. On a un extra round, c'est la super finale. Il y a un mec qui veut sa revanche. Il est parti à Tombouctou tout à l'heure. Il a été jeté par Mr. Trafi. Ça va être la finale. Chris versus Trafi. Voilà, ils sont chauds. Il met le ballon au milieu. Le ballon est juste là. Je rappelle les règles. Celui qui prend le ballon a gagné. C'est parti. Attends. Yo et yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un grand big up à Trafi, le gagnant de cette vidéo. Comme je l'avais prédit, l'issue était courue d'avance. Évidemment, on le savait tous, mais on a fait ça pour faire plaisir à vous, jeunes abonnés, qui continuent à nous suivre après toutes ces années. Voilà, si vous avez d'autres défis à nous proposer, même si on sait tous, hein, encore une fois, comment ils vont terminer, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Peace. N'oubliez pas la famille, pour gagner la paire de chaussures, il faut répondre à la question. En quelle année est né Céane Garnier? 1894. Très bonne question, on la garde. En quelle année est né Céane Garnier? Mettez ça en commentaire, on veut le maximum de commentaires et on choisira. C'est Céane Garnier lui-même qui va choisir la personne en commentaire. Et il ramènera la paire lui-même chez lui. Payé par la Team S3. Ouais, exactement. C'est la Team S3 de toute façon. Voilà, merci à FAS pour les installations, franchement allez checker ça sur internet, c'est lourd de ouf, on a kiffé. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu tous ensemble pour une vidéo. Merci à FAS. Non, un grand merci à Decathlon aussi, comme vous le savez, on a fait cette paire de chaussures qui est la Barrio. Franchement c'était une expérience de ouf, on est grave contents. On est bien contents, on compte sur vous pour les choper. Faut les acheter, dès qu'on vous croise dans la rue, on vous voit avec. En Barrio direct, regarde, en jean, en jean, en tout ce que vous voulez, il y a de tout, il y a des gens en short, en robe. Ah ouais, le bandit, non, ouais. Voilà, on veut vous voir en Barrio, sinon ça marche pas. D'ici là, la famille, la recette, elle a pas changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi.